Bonsoir. Alors comme ça, vous aimez le rock et le blues et vous cherchez la guitare ultime pour le jouer. Ben voilà, ça va pas vous plaire, mais c'est ça qu'il faut. ES-345 de 1965, entièrement d'origine, à part un refret et reverni à l'arrière du manche. Tout le reste est absolument comme c'était à l'époque de la sortie de Rubber Soul. Et puis bah voilà, on va la jouer sans beaucoup plus attendre, puisque pas besoin de tergiverser des années là-dessus. Un petit ampli Gibson GA6 des années 50 à l'autre bout du fil. Le fil stéréo, évidemment, puisque là, vous avez le câblage stéréo d'origine avec le varytone. Je vous rappelle que c'est entre autres ça, en plus de la décoration, qui fait la différence entre une 335 et une 345. Et puis, il n'y a plus qu'à la jouer, et pour peu qu'on ait les doigts à peu près en place ce matin-là, ça sonne comme la voix de Dieu.